Putain, mais j'ai tellement l'impression que la lampe, elle éclaire ma cache. Eh oh. Eh oh. Ce qui est marrant, c'est que la position du truc, elle a bougé. Ok. Ta 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 ta. Juste ici, non? On peut monter? Ouais, on peut monter. Il y avait quelque chose là à côté, non? Pourquoi ça me dit quelque chose, ça? Pourquoi j'ai l'impression d'être déjà venu? J'ai pas vu de stream et pourtant j'ai l'impression d'être déjà venu ici. Putain! Ah bordel! Allez, dégage! Je te jure que cette salle, j'ai l'impression de la connaître. Et je me rappelle pas avoir vu de stream de ce jeu ou quelque chose comme ça. Et sinon, il n'y a pas moyen de prendre ça et de le mettre genre là-bas sur l'autre bout qui manque ou quelque chose comme ça. Parce que c'est bon, le puzzle il est grillé à des kilomètres. Là t'as la partie haute et l'autre là-bas t'as la partie basse. Donc bon, pas besoin d'être un génie pour comprendre que les deux collent ensemble. Et ça a pas marché mon attaque furtive. Hello. Cool. Bon c'est bon, t'es mort. J'y peux rien si le perso se déplace aussi discrètement qu'un éléphant. Oup, oup, oup. Denied. Et oh, tu me laisses reprendre le contrôle du perso, mais c'est comment? Je l'ai revu debout au bout du couloir, ses longs cheveux bruns, toujours aussi beaux, nacrés par les reflets de lune, ses yeux tels de bille noire, son visage de porcelaine, portait sa robe préférée rouge comme un soleil, comme un coucher de soleil écarlate, rouge comme un coup de pinceau meurtri sur la plaine du crépuscule. Laura, évidemment, qui n'est pas morte. Par contre, gros problème là. Gros problème. Ah, j'avais plus de mission. J'aurais pu regarder un coup en face d'un mob. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Ok. Là. Pourquoi je sens que je vais avoir le droit au mob de la mort qui tue là, vu qu'on propose de me cacher partout? Évidemment, je vais me cacher. Évidemment ici je me cache aussi. What? Mais d'où tu sors toi? Le headshot de la mort qui tue. Je sais pas d'où tu sortais toi, mais en tout cas, t'es vite reparti de là où tu venais.
Putain, il a pas ouvert de porte, il a rien ouvert. D'où il sortait le type? Il est bien gentil, j'ai vu aucun cadavre, moi. Pourquoi je sens qu'il va y avoir un fail là-dessus? Non, ça va, tranquille. Est-ce que je peux retourner en arrière, s'il vous plaît? Est-ce que je peux retourner par là? Ouais, c'est cool. Je le sens pas, je vais faire une sauvegarde. Quelque chose ne va pas. Et pourquoi on peut pas lui tirer une balle à elle? Ok, vas-y, let's go. Non. Tout. Ce que j'aimerais essayer de comprendre, c'est... Parce que d'accord, il y a ça, mais après... Il y a ça là, t'as le haut de ce truc là qui est dans notre pièce. Mais j'ai pas un moyen, ou alors il faut que je trouve quelque chose pour décoller le tableau ou... Eh bah ouais, bah voyons. Bah voyons. Et ça marche avec lui? Évidemment, non, ça marche pas. Je l'avais dit que je le sentais pas. Je sentais le coup fourré. Et j'ai bien fait de sauvegarder juste avant. Je le sentais. Toujours faire confiance à son instinct, les gars. Ouais, non, mais je pensais que je pouvais me planquer. Parce que je me suis dit, s'il y a autant d'endroits pour se planquer, c'est sûrement qu'il y a une raison. Mais ouais, c'est ce que j'ai fait les deux premières fois, je me suis planqué. Enfin, j'ai couru, je veux dire. D'ailleurs, tu remarqueras que là, il n'est pas là. Là, il apparaît pas. Payter RNG. Et limite j'aurais préféré qu'il apparaisse en fait avant parce que là je connais pas ce secteur là. What? Et attends, j'ai rien compris là. Fallait tirer où? De toute manière, je savais que c'était pas une bonne idée. Encore une fois, la sauvegarde préventive. La sauvegarde préventive m'a sauvé la vie. Bon, ça me fait chier de revenir là à chaque fois. Mais j'ai pas vu des engrenages sur lesquels je pouvais tirer ou autre. Puis bon, je présume qu'on est obligé de se taper ça. Je présume que je peux pas juste sauter par-dessus. Hein. Attends, donc si je regarde ça. Et t'as pas vu que j'ai essayé de tirer dessus? Bah, visiblement, j'ai dû me rater. Ouais, il y a quelque chose ici. Hein.
Un fragment de carte, ok. C'est quoi la gamine qui chiale? Il n'y a que dalle dans le placard. Je sens un truc de merde là-dedans aussi. Encore un? Attends, quoi que je sais peut-être d'où cette séquence me parle. J'avais dû regarder un gaming live ou quelque chose comme ça et j'avais vu ça. Ça doit être ça. Pour ça que la pièce d'avant me parlait, que ça me parle et tout. Ok, donc ça va être entre là et là. Par là. Et ouais, du premier coup. Là par contre, je sens la grosse enculade. Savoir pourquoi il y a des monstres qui vont popper dans la pièce, j'en suis persuadé. Attends, mais ce cadavre-là, ils y étaient tout à l'heure? C'est juste moi qui n'ai pas fait attention ou... Ah ben non, il n'y a pas d'enculade finalement. Moi qui m'attendais à une enculade assez sévère, il n'y a que dalle. Il y a un cadavre là, je ne sens pas le cadavre ici. Hein. Laisse-moi deviner, c'est la porte de l'autre côté. Non? Ah non. Eh ben ça donne envie à l'endroit où il y a toutes ces bestioles empaillées. Comment je repose ça, putain? On va le reposer comme ça, putain. Ça me permettra de voir s'il y a des ennemis, visiblement il n'y a personne. La stimulation des régions corticales à fréquence maximale s'est avérée assez peu efficace. Les sujets hurlent sans discontinuer, mais ils meurent trop vite. Les tests plus précis donnent de meilleurs résultats.